Est-ce que de ton côté, tu es prêt? Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, un petit récapitulatif. Donc, je vais couper les commentaires ici. Si vous avez donc une question à poser, vous cliquez sur le petit point d'interrogation dans la petite bulle en bas à droite et vous posez votre question. Barakallahu fikoum. C'est beaucoup plus facile pour moi donc de sélectionner les questions. Et je vais commencer ici avec une première question. Une question qui m'a été posée d'une sœur. Est-ce que je peux commencer la première question, Akhi Mohamed? Oui, vas-y. D'ailleurs. Alors, la première question est d'une sœur. Elle me demande, est-ce qu'une maladie chronique qui nécessite de prendre des médicaments, mais qui ne pose que très peu de problèmes pour le jeûne, permet tout de même à la personne qui l'a de ne pas jeûner le mois de Ramadan? Alors, je ne sais Excuse-moi. pas si la question a été claire. Excuse-moi, Car... tu vas reposer la question. Tout d'abord, bismillah wa salatu wa salam wa ala rasulillahi amma ba'd. Alors, pour que je n'oublie pas, avant de commencer, je tiens à rappeler un point en fait. Lors de la séance précédente, quelqu'un a posé la question concernant le fait de commettre un péché pendant la nuit du destin, je crois. Est-ce que cela compte aussi pour 1000 mois? Et je crois que c'était ça la question en résumé, si je ne m'abuse. Et j'avais dit que je ne connais pas un savant qui a dit cela. Alors un frère m'a envoyé une parole qui se trouve dans le tafsir entre griffes de l'imam Shanqiti, disant que certains exégètes ont dit que le péché dans la nuit du destin est comme le péché qu'on commet dans 1000 mois. Alors tout d'abord, qu'Allah récompense le frère qui m'a fait profiter de cela. Et comme j'ai bien précisé ma parole, je ne connais pas un savant qui a dit cela. Donc j'ai pris mes précautions. Maintenant, il faut savoir que certains peuvent croire que c'est la parole de l'imam Shankiri. D'ailleurs, certains ont cru cela quand j'ai essayé un peu de faire des recherches par rapport à cela. Mais en réalité, ce n'est pas la parole de l'imam Shankiri. Parce que le tafsir de l'imam Shankiri, en fait, le cheikh a terminé son tafsir au niveau de la sourate Al-Mujadala, donc sourate 58. Maintenant, de la sourate Al-Hashr, donc la sourate 59, jusqu'à la fin, en fait, on peut dire c'est une complémentarité du tafsir. Donc c'est son élève, en fait, qui a continué ça. Atiya Mohamed Salim, donc un des élèves du cheikh. Et cette parole-là, justement, ce n'est pas la parole, en fait, de l'imam Shankiri, mais c'est plutôt la parole de son élève-là. Et il semble mentionner ça de certains exégètes. Ensuite, pour confirmer une telle chose, il faut en fait des preuves. Il faut des preuves qui justifient une telle chose. Et on ne doit pas faire ici l'analogie en disant que voilà, comme on a dit que la nuit du destin, comment on appelle, elle est meilleure que 1000 mois. Et donc, on va faire l'analogie ici par rapport au péché. Parce qu'il y a des savants qui ont dit que l'œuvre, donc pratiquée cette nuit-là, est meilleure, n'est-ce pas, que celle pratiquée donc durant la période de 1000 mois. Alors, on ne doit pas faire l'analogie. Pourquoi? Parce que déjà, dans le Sahihain, dans Bukhari et Muslim, il est clairement dit qu'Allah nous fait comprendre que celui qui fait une bonne action, on lui inscrit pour cela 10 bonnes actions. Et ça peut aller à 700 ou plus. Mais celui qui commet une mauvaise action ou un péché, on lui inscrit cela comme étant un seul péché ou une seule mauvaise action. Vous voyez? Et dans le Coran, Allah a dit, sourate 6 au verset 160, Allah a dit, Manja abil hasana, falahu ashru amsaliha. Manja abil hasana, falahu ashru amsaliha. Allah dit, selon une traduction rapprochée, quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant. Et quiconque viendra avec le mal, une mauvaise action, ne sera rétribué que par son équivalent. Et on ne leur fera aucune injustice. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre
que le fait qu'on multiplie la bonne action n'implique pas la multiplication de la mauvaise action, ou bien qu'ils doivent avoir le même jugement par le contraire. Vous voyez, Allah est généreux. Donc, affirmer qu'un péché pendant la nuit du destin est comme péché pendant 1000 mois, ça nécessite une preuve et on ne connaît pas de preuve justifiant une telle chose. Donc, je tenais quand même à préciser cela. C'est très, très important. Naam. Tu peux reprendre donc la question. Naam. Donc, si c'est une question d'une sœur qui nous dit, si maintenant une personne qui a une maladie chronique et que cette maladie chronique nécessite de prendre des médicaments, mais malgré cela, que cette personne touchée de cette maladie chronique, ben, ça ne lui pose pas, yani, de grands problèmes au niveau du jeûne. Yani, quel est son hukm par rapport à cette personne? Est-ce que cette personne-là doit jeûner le mois de Ramadan ou pas? Jade. Bon, cette mas'ala revient en fait à une divergence entre les gens de science. Quelle est en fait la maladie qui autorise ou qui permet donc la rupture du jeûne? Alors, il y a tout un débat entre les gens de science par rapport à cela, mais ce qui est apparent des preuves, c'est que toute maladie, n'est-ce pas, la personne peut rompre. La personne a la permission de rompre. Pourquoi? Déjà parce que ce qui est apparent du Coran, Allah dit « فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ hein, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ » Celui parmi vous qui est malade ou en voyage, ici il y a un taqdir, il y a un sous-entendu là, hein, celui qui est malade, qui est en voyage et qui rompt. Mais dans le verset, c'est pas écrit qui rompt, mais on comprend ça. Donc, celui qui est en voyage, hein, celui qui est malade, pardon, ou en voyage et qui rompt, il compte donc le nombre de jours qu'il a rompu et il va rembourser cela. Alors, ce verset nous montre ici que celui qui est malade, il peut rompre. Maintenant, quelle sorte de maladie? Le Coran ne précise pas cela. C'est pour cela que les savants ont divergé. Quelle est la maladie qui autorise, n'est-ce pas, la rupture du jeûne? Certains ont dit, c'est la maladie qui t'empêche, n'est-ce pas, de jeûner, ou qui a vraiment des grandes difficultés à jeûner. Vous voyez? Mais d'autres savants ont dit non, toute maladie. Et ça, c'est la position de l'imam al-Bukhari. Et c'est la position de Atta parmi les salafs. Et il y a même une histoire qui s'est produite avec l'imam al-Bukhari. Je crois que c'est l'imam Ishaq ibn Rahawi, si je ne me trompe pas, qui s'était un peu étonné du fait que l'imam al-Bukhari avait rompu, n'est-ce pas, à cause d'une maladie légère. Vous voyez. Et justement, l'imam al-Bukhari s'est argumenté de... Il avait mentionné en fait la position de Atta. Donc, les savants ont divergé par rapport à ça. L'avis que je trouve juste, le plus savant, c'est que toutes sortes de maladies t'autorisent, n'est-ce pas, à rompre. Et quand on regarde le cas du voyageur, pardon, parce que dans le verset, on dit celui qui est malade, qui est en voyage. Celui qui est en voyage, on sait tous que aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent voyager, ils ne ressentent aucune difficulté. N'est-ce pas? Il y a les avions, quelqu'un peut faire un voyage de, je sais pas combien de minutes là, peut-être 3 minutes c'est un peu abusé, 10 minutes, 15 minutes, 25 minutes, bon, disons 25 minutes, 20 minutes, 30 minutes, voilà. Quelqu'un peut faire un voyage comme ça et il ne ressent aucune difficulté. Est-ce que celui-là peut rompre? Il peut rompre. Donc, s'il peut rompre alors qu'il ne ressent aucune difficulté, pourquoi on va dire que pour le cas du malade, on va dire ici qu'il il doit nécessairement ressentir une difficulté? Vous voyez, il y a des gens qui peuvent avoir, par exemple, comment je peux dire ça? Ils ont, par exemple, des narines bouchées et vraiment, c'est gênant. Il doit prendre des médicaments. Vous voyez, on va pas dire non, il faut que tu dois d'abord avoir une difficulté à jeûner, ensuite tu vas rompre. Donc bref, c'est tout un débat entre les savants, mais l'avis que nous trouvons juste, c'est celui qu'on a expliqué là. Wallahu a'lam. Naam. Jazakallah khair.
Akhi Mohamed, est-ce que tu autorises la question sur la zakat, yani zakat al-fitr? Non, il n'y a pas de problème, puisque c'est en rapport aussi avec le ramadan. Ramadan, non. Non. Donc, ici, je pense qu'il est mention de la zakat al-fitr. Une personne nous dit pour la zakat, est-ce qu'il yani, il faut poser la question aux pauvres s'il prie ou non? Et deuxième question qui est liée à celle-ci, également, si on ne sait pas si la personne a déjà reçu une zakat, est-ce qu'il faut se renseigner sur ça ou ce n'est pas obligatoire? Donc, petite parenthèse, la personne ne stipule pas si c'est zakat al-mal ou zakat al-fitr, mais vu que j'ai bien précisé que ce sont des questions sur le mois de Ramadan, je pense qu'elle parle de zakat al-fitr. Jade, si c'est sur la question, bon, déjà, que ce soit la zakat al-fitr ou la zakat, comment on appelle, de zakat al-mal, donc la personne demande est-ce qu'il faut d'abord se renseigner, c'est-à-dire afin de savoir si. Celui qui doit bénéficier de cette zakat, est-ce que celui-là a pris ou pas? Alors, on n'a pas un dalil, n'est-ce pas, Sharan, qui vient mettre ça comme condition, qu'il faut d'abord demander à la personne si la personne prie ou pas. Par contre, est-ce que on doit donner la zakat al-fitr, n'est-ce pas, à un mécréant? La base, non, on ne donne pas la zakat al-fitr au mécréant, vous voyez. Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, n'est-ce pas, d'Abu Daoud, lorsqu'il nous fait comprendre que c'est tu'matan lil masakin, c'est-à-dire que la zakat al-fitr, c'est une nourriture donc pour les pauvres, certains savants ont dit les pauvres ici, c'est-à-dire les pauvres musulmans. Les pauvres musulmans. Donc on ne donne pas la zakat al-fitr à un mécréant. Maintenant, quelqu'un peut faire du bien à un mécréant, ça c'est pas quelque chose qui est. Qui est interdit, quelque chose qui a été interdit. Vous voyez. Pourquoi? Parce que Allah nous a dit la yanhakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Donc Allah nous fait comprendre que il ne vous interdit pas, n'est-ce pas? De faire du bien à ceux-là qui ne vous ont pas combattu dans votre religion et qui ne vous ont pas fait sortir de vos demeures. Donc Allah ne vous interdit pas de leur donner ou bien de faire du bien, n'est-ce pas? De leur faire du bien en fait. Donc on peut faire du bien à un mécréant, donner de l'argent à un mécréant, donner de la nourriture à un mécréant, vous voyez? Et ça peut même être quelque chose qui, n'est-ce pas, va l'attirer à l'islam. Il n'y a pas d'ishkal par rapport à cela. Mais, en ce qui concerne la zakat, n'est-ce pas? Bon, la zakat, zakat ou le mal aussi, il y a un débat là-bas sur une catégorie. Mais, comme ici nous sommes en train de parler de la zakat ou le fitr ici, il ne donne pas ça à un mécréant. Maintenant, concernant le cas, ou bien par rapport maintenant à la question qui a été posée, je pense que la personne pose cette question parce que, bon, la personne, soit la personne est sur la position que celui qui dit sa prière est mécréant, où la personne a entendu que, bon, il y a des savants qui ont dit que celui qui dit sa prière est mécréant. Donc, la personne s'interroge, est-ce que je dois donner ça à quelqu'un comme ça, ou bien je dois d'abord demander, est-ce que tu ne pries pas? Alors, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de preuve justifiant qu'il faut forcément, c'est-à-dire une condition, que c'est une condition qu'il faut demander à la personne si la personne prie ou pas. Mais déjà, la masse en elle-même, est-ce que déjà celui qui ne prie pas, est-ce qu'il n'est plus musulman? Ça, c'est un grand débat entre les savants. Et moi, je pense que beaucoup de frères, ceux qui suivent mes cours, connaissent ma position par rapport à ça. Celui qui délaisse la prière, pour moi, il est musulman. C'est un musulman pervers. Il ne sort pas de l'islam. Et plusieurs preuves, n'est-ce pas, prouvent cela. Donc, sur cette base-là, qu'il prie ou qu'il ne prie pas, il est musulman. Et en tant que musulman, il peut bénéficier de la zakat. Maintenant, il n'y a pas de doute que si quelqu'un, par exemple, et quelqu'un de pieux, hein, il est pieux, on voit qu'il prie, voilà, il fait son jeûne, voilà, il est pauvre, il est dans le besoin. Il n'y a pas de doute qu'aider quelqu'un comme ça, c'est l'idéal. Au lieu d'aller aider un pervers, vous voyez, parce que celui qui délaisse sa prière est un pervers, il commet un grand péché, vous voyez. Donc, dire qu'il faut forcément demander à ce que la personne prie, ce n'est pas du tout une condition. Jade. Et on se base sur quoi? On se base sur ce qui est apparent. Et la base, c'est que le musulman, du moment où il sait déjà, hein, qu'il ne doit pas donner la zakat al-fitr à un mécréant, donc il doit savoir
n'est-ce pas, la situation de celui à qui il va donner la zakat. C'est-à-dire, il doit savoir est-ce que c'est un musulman ou pas. Vous voyez, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le cas du musulman qui a délaissé la prière, on le voit, comment on appelle ça, on le voit avec les musulmans, voilà, parce que si on voit déjà que c'est un mécréant de base, hein, la personne ne va plus se poser encore la question, est-ce que je dois demander si la personne prie ou pas. Ouais, donc si la personne demande, c'est que la personne voit quand même des signes, bon, qui montrent que bon, il est musulman ou bien bon, voilà. Sinon, celui dont on sait qu'il est mécréant, par exemple un juif, un chrétien, on ne va pas demander, bon, est-ce qu'il prie, est-ce qu'il ne prie pas, je lui donne la zakat ou pas. Donc voilà, donc ce n'est pas une condition, mais bien évidemment, la personne doit, comment on appelle ça, connaître la situation de celui, n'est-ce pas, à qui il va donner la zakat. C'est-à-dire, il doit savoir est-ce qu'il est musulman ou pas, parce qu'il ne doit pas donner la zakat à un mécréant. Non. Je crois qu'il y avait une deuxième partie dans la question. Donc la personne demandait est-ce qu'il faut aussi se renseigner si la personne en question, est-ce qu'elle a déjà reçu la zakat ou pas. Ah, parce ok. Que c'est pas obligatoire. Ok. Bon, déjà la base, le asl, c'est quoi? C'est de, comment on appelle, de se renseigner sur ceux qui ont besoin de la zakat. C'est de se renseigner bien avant parce que, comme je disais, je crois, dans la séance précédente, les gens, il y a des gens aujourd'hui, c'est lorsque c'est déjà au moment, c'est-à-dire qu'il faut faire sortir la zakat. C'est là où la personne est en train de chercher. Après, la personne dit, je n'ai pas trouvé des gens et tout ça. Mais tu pouvais bien chercher bien avant. Si vous êtes dans un endroit où c'est pas facile de trouver des pauvres, par exemple, mais il faut déjà faire des recherches à l'avance. Vous voyez, afin de savoir que, bon, voilà, il y a des pauvres là-bas à tel endroit qui ont besoin de la zakat. On va leur donner la zakat au moment venu, etc. Donc, la personne, bien évidemment, fait des recherches par rapport à ceux qui ont besoin de la zakat, ceux qui peuvent bénéficier de la zakat. Et une fois qu'elle a trouvé ces personnes-là, je crois qu'il n'y a plus de, il n'y a plus encore à se demander est-ce que la personne a déjà reçu la zakat ou pas. Vous voyez. Et même si la personne bénéficie en plus, par exemple, quelqu'un lui a donné, on lui a déjà donné la zakat ou le fitr. OK? Si quelqu'un lui donne en plus, est-ce qu'on va dire ici que c'est interdit? C'est pas interdit. Vous voyez. Mais bien évidemment, si la personne a quelqu'un qui n'a pas reçu la zakat ou le fitr, et quelqu'un qui a reçu la zakat al-fitr, on y va donner à celui qui n'a pas reçu la zakat al-fitr parce qu'il n'a pas la, il n'a pas encore reçu. Donc voilà. Naam. Jazakallah khair, barakallah fik. Ici, une sœur nous pose la question, quel conseil pouvez-vous donner, s'il vous plaît, pour ceux qui sont seuls et qui perdent la motivation durant ce mois béni? Barakallah fik. Ceux qui sont seuls, c'est-à-dire que chez la journée, la nuit, ou de manière générale, en fait, que ce soit la journée ou la nuit. Ici, je pense que la sœur parle plus d'un sentiment de solitude, peut-être de manière générale. C'est très bien qu'alhamdoulilah, quand on est entouré de musulmans, c'est plus facile dans les ibadat. Oui, je pense que si c'est plus un sentiment de solitude. Et j'ai reçu aussi beaucoup de messages dans ce sens-là où, malheureusement, même en plein mois de Ramadan, certaines personnes voient leur foi au plus bas, en fait. Ou pour commettre des péchés, parfois encore pire que. Donc, c'est vrai que le nasiha général pourrait nous aider à plus. Jazakallah. Bon, déjà, vous savez, le serviteur doit comprendre que sans Allah, il ne peut rien. Ça, c'est un point qui est très important. Un musulman doit toujours avoir cela à l'esprit. Que sans Allah, il ne peut rien. Il ne peut pas prier. Il ne peut pas jeûner. Il ne peut pas faire du bien. Il ne peut même augmenter sa foi. Il ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Le premier point, c'est de se retourner vers Allah. Demander à Allah l'aide. Demander à Allah l'aide. Et faire des doigts. Parce que il y a des gens parfois qui vont essayer de faire des efforts dans des choses. Mais ils semblent être distraits par rapport aux doigts. Vous voyez. Ce n'est pas par ta force en fait. Tu peux faire des efforts et tu n'arrives pas, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu n'as pas concrétisé certaines choses. Donc, il faut déjà, premièrement, revenir vers Allah, demander à Allah de l'aide. Hein? Oh Allah, je suis ton serviteur. Hein? Aide-moi à t'adorer comme il le faut. Vous voyez? Donc, la personne demande à Allah de faciliter. Ensuite, la personne commence à faire des efforts. Parce que il ne suffit pas, n'est-ce pas, de, comment je peux dire ça, de faire juste des doigts
Et puis, tu ne fais pas des efforts. Vous voyez, il faut faire des efforts. Et on sait tous que la personne qui, comment je peux dire ça, qui a espoir, n'est-ce pas? La personne a espoir. Mais cet espoir-là, il ne suffit pas que tu l'aies. Il faut aussi avoir la crainte. C'est pourquoi les gens de science disent que le serviteur doit faire quoi? Il doit regrouper entre la crainte et l'espoir. Donc, ce n'est pas juste d'avoir l'espoir, hein, de penser par exemple que oui, Allah est miséricordieux, il va me pardonner, etc. Et tu ne fais aucun effort. Non. Donc, il faut faire des efforts. Tu fais des doigts, tu demandes à Allah de faciliter. En même temps, tu fais des efforts. Vous voyez? Et ceux qui font des efforts, Allah va faciliter. Si tu fais des efforts, tu es sincère, Allah va te faciliter. Comme Allah dit, « وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا » Vous voyez, ceux-là donc qui ont fait des efforts sur notre voie, nous allons les guider, vous voyez, vers nos chemins, vers notre voie. Donc, si la personne fait des efforts, la personne est sincère et la personne fait des efforts, Allah va faciliter. Tu sais très bien que telle chose, par exemple, est une tentation pour moi. Quel est l'effort que tu dois faire ici? Un exemple. Quelqu'un a du mal pendant le Ramadan, par exemple. Quelqu'un, il est éprouvé, par exemple, par les femmes. Hein? Alors, si tu sais, par exemple, que toi, c'est en regardant des séries, par exemple, que, voilà, ça te, par exemple, ça te pousse à aller faire le haram, hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne regardes pas. Déjà, même, c'est pas permis. Le fait de regarder des séries, là, c'est pas déjà permis. Vous voyez? Mais tu sais aussi que c'est ça la cause. Qu'est-ce que tu fais? Tu fermes la porte à cela. Et même si la chose, à la base, elle est permise. Même si la chose, à la base, est permise. Mais si tu sais que si tu fais, ça va t'amener au haram. Toi, là, c'est une fitna pour toi. Il faut laisser. Vous voyez? Il faut faire quoi? Il faut laisser. Donc, tu fais ces efforts-là. Parce que tu veux arriver à un but. Parce que c'est ça le véritable problème. Lorsqu'Allah nous a dit, ne vous approchez pas du zina. Vous voyez, Allah n'a pas dit, ne faites pas le zina. Il n'a pas dit, ne faites pas le zina. Il a dit, ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas du zina. C'est-à-dire que tout ce qui va te conduire au zina là, il ne faut même pas aller là-bas. Tout ce qui va te conduire au zina, il ne faut pas aller. C'est pourquoi, si vous regardez bien, les maqas de la législation, les buts de la législation. Vous allez voir que l'islam a fermé toutes les portes là qui amènent les gens au zina. Regardez, on a légiféré le voile, n'est-ce pas, à la femme. Le voile intégral, hein, disons ça ainsi. Pourquoi on a interdit la mixité? Pourquoi on a interdit, le prophète a interdit à un homme de s'isoler avec une femme? Pourquoi les femmes, dans la prière, dans la mosquée, les femmes doivent prier derrière? Les hommes devant. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Quand vous regardez bien, vous allez voir que l'islam a mis des barrières. L'islam, c'est-à-dire que tout ce qui va nous emmener là-bas au zina, là, on a bloqué ça. Vous voyez? Et le zina, c'est quelque chose de dangereux, de très dangereux. C'est pourquoi vous regardez la punition. Regardez la punition qui est venue par rapport au zina. Celui qui commet l'adultère. C'est pas une petite chose. Donc, la personne doit faire des efforts en délaissant, n'est-ce pas, ce qui va conduire, n'est-ce pas, au haram. La personne doit faire ces efforts-là. Même si au début, ce ne sera pas facile, hein, pour la personne, mais elle doit faire des efforts, faire des efforts, faire des efforts. Allah va l'aider. Et la personne aussi doit se souvenir que cette vie, en fait, on est là juste pour un temps. On n'est pas là pour venir... on n'est pas là pour l'éternité ici, sur cette terre-là. On est de passage. On est de passage. Donc, on ne doit pas penser ou bien on ne doit pas mettre trop d'importance ou bien accorder trop d'importance à cette vie. Parce qu'on va partir. Tôt ou tard, on va partir. Là, on est pendant le Ramadan, n'est-ce pas? Est-ce qu'on sait si on va terminer ce mois de Ramadan? Moi qui vous parle, je ne sais pas. Peut-être le soir, je peux mourir. Peut-être demain, peut-être après demain, je ne sais pas. Personne, on ne sait pas en fait si on va mourir ou bien quand est-ce qu'on va mourir. Et même si on pouvait savoir, même si
on pouvait savoir, lorsque la mort arrive, est-ce que à ce moment-là, Allah va accepter le repentir de la personne? Lorsque la mort arrive, qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. Allah dit: le repentir n'est pas accepté pour ceux-là qui commettent des désobéissances, ok, jusqu'à ce que la mort arrive. Et lorsque la mort arrive, ils disent quoi? Maintenant, se repent. Maintenant, la personne dit: maintenant, je me repens. Allah dit: le repentir n'est pas accepté, ni pour ceux qui meurent mécréants. Donc, tu meurs mécréant, il n'y a pas de taouba, il n'y a pas de repentir. Tu commets des péchés, tu attends. Lorsque la mort arrive, tu dis: tu te repens maintenant. C'est maintenant là que tu veux te repentir. Il n'y a pas de repentir. Il n'y a pas de repentir lorsque l'âme déjà est en train de sortir, n'est-ce pas, du corps. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Les gens meurent. Les gens meurent d'accidents. Il y a des gens, aujourd'hui, tu vas être avec quelqu'un, on te dit: demain, il a fait un accident, il est mort. Vous voyez? Donc, on ne sait pas. Alors, pourquoi on va se mettre à se torturer pour cette vie? Parce que le véritable problème, c'est ça. Pourquoi on ne peut pas supporter, hein? Pourquoi on ne peut pas laisser nos passions, pour le, ça y est, le petit temps là qu'on est sur la terre là, pourquoi on ne peut pas supporter, on délaisse les passions là pour, n'est-ce pas, pouvoir avoir une meilleure vie, n'est-ce pas, dans l'au-delà. Ce n'est pas long en fait, c'est un petit temps. Donc, le serviteur doit beaucoup penser à la mort. Vous voyez, regardez ce qu'Allah nous dit dans la sourate 23. Hein, lorsqu'il dit: hatta iza jaa ahadahum al-maut qala rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Il dit, lorsque la mort vient à l'un d'entre eux, il dit: Seigneur, fais-moi revenir. Écoutez bien. Fais-moi revenir pour que je puisse œuvrer, pour que je puisse faire du bien dans ce que j'ai délaissé. Écoutez ce qu'Allah a dit. Kalla. Allah dit: Kalla, innaha kalimatun huwa qa'iluha, wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athun. Allah dit: non, jamais. Ce n'est qu'une parole qu'ils prononcent. Et derrière eux, il y a un mur, une séparation, quelque chose qui sépare. Vous voyez, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc, c'est lorsqu'il voit la mort, il dit qu'il veut maintenant faire du bien dans ce qu'il a délaissé. Et non, c'est fini. Donc, on doit profiter. Le temps que nous sommes là, nous devons faire des efforts. Demander à Allah de nous faciliter. Ensuite, faire des efforts, ok? Penser à la mort, ça aide beaucoup, le fait de penser à la mort. Regardez les riches, vous allez voir des présidents qui avaient des maisons, des voitures. Ils avaient de l'argent. Vous allez voir que lorsque la mort arrive, tous ces biens-là ne peuvent pas empêcher. Ça ne peut pas empêcher la mort de les saisir. Ils vont mourir. Et lorsqu'on va les enterrer, on ne va pas les enterrer avec les maisons là. Les maisons, les voitures, toutes ces choses-là, ça va rester. Les gens vont rester à se discuter, à se battre même pour ça. Il va être enterré. C'est fini. Donc vous allez voir parfois des gens qui vont, ils vont se torturer à vraiment, c'est-à-dire que chercher à construire là-bas, construire. Vraiment, il fait de ces choses. On dirait que cette terre là, il est venu pour rester là. Non. On est de passage. Fais ce qui t'est profitable, ok, ici-bas et dans l'au-delà. Donc, le conseil que je peux donner, c'est ça, faire des doigts, faire des efforts, penser à la mort parce que ça aide beaucoup, n'est-ce pas? Et quand je dis faire des efforts ici, c'est déjà s'écarter de ce que la personne sait, n'est-ce pas, que c'est réprimandé, c'est quelque chose qui est une chose interdite dans la religion, elle s'écarte de cela. Ce qui va aussi conduire au haram, là, même si c'est quelque chose d'abord qui est licite, mais si elle sait que elle-même, si elle s'approche là, elle va aller au haram, elle laisse ça. Elle supporte. Elle laisse ça et elle fait ce qu'on lui a demandé de faire. Et c'est comme ça que la foi va augmenter petit à petit. Et une chose aussi qui est très importante, c'est quoi? L'apprentissage. L'apprentissage. Parce que
beaucoup de gens aujourd'hui ont des problèmes de foi aussi parce qu'ils n'apprennent pas. Lorsque tu t'écartes déjà de l'apprentissage, mais tu es déjà, comment je peux dire ça? Tu as déjà ouvert une grande porte au Shaitan. Parce que la science est une lumière. Ça te permet de te maintenir dans ton dîn. Et ça te permet d'être clairvoyant. Vous voyez? Mais si tu n'apprends pas, le Shaitan peut facilement jouer avec toi. Il peut facilement jouer avec toi. Donc, il ne faut pas délaisser l'apprentissage. Il faut toujours apprendre la religion. Apprendre la religion. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et puis, mettre en application ce qu'on a appris. Mettre en application ce qu'on a appris. Ça va nous aider. Et aussi, rappelez aussi que le fait d'être seul, hein, ça c'est aussi un point qui est important. Le fait d'être seul, il y a des gens parfois, lorsqu'ils sont seuls, en fait, c'est, comment je peux dire ça? Ils tombent dans le haram. Alors, si quelqu'un sait que lorsque je suis seul, je tombe dans le haram, il est bien souvent d'être avec les gens. Il est bien souvent d'être avec les gens. Pourquoi? Parce que la personne sait que lorsque moi je suis seul, je tombe dans quoi? Dans l'illicite. Donc, cherche à être avec des gens, bien évidemment, avec des bonnes personnes, des personnes qui vont t'aider dans ta religion, n'est-ce pas? Qui vont t'encourager dans le bien, pas des personnes qui vont, n'est-ce pas, t'encourager dans le mal. Donc, la personne essaie d'éviter le fait de rester seule du mieux qu'elle peut. Et si il arrive qu'elle est seule, qu'elle essaie de faire quelque chose, n'est-ce pas, qui va, comment je peux dire ça, l'occuper en fait, afin que voilà, elle ne, parce que c'est souvent comme ça, les gens sont là. Si quelqu'un il est là, il est seul, il ne fait rien du tout. Après, il peut avoir des mauvaises idées et puis parfois faire des choses qui ne sont pas approuvées par la religion. Donc, il y a aussi ça, ce point-là. Donc voilà ce que je peux dire en résumé par rapport à ça. C'est quelque chose même qui nécessite peut-être même peut-être une conférence même. Mais voilà ce que je peux dire. Ah. Naam. Zakallah khair, barakallah fik. Là, ma balle, il y a beaucoup de questions, donc on va essayer de faire Subhanallah. comme on peut. Il y a des questions qui n'ont pas vraiment un rapport direct avec le mois de Ramadan, mais il y a beaucoup de gens qui ont mentionné un GM sur ces questions, donc c'est qu'il y a un intérêt autour de ça. À la Kouli Hal, ici, il y a un frère qui nous dit Salam alaikum, concernant le sommeil. Quel est le meilleur moment pour faire des siestes et de combien de temps pour justement par la suite tenir la nuit? Et voilà. Bon, déjà, il est, comment je peux dire ça? Il est recommandé, n'est-ce pas, de dormir. Hein, le musulman doit dormir. Il ne doit pas, comment dirais-je, passer du temps à veiller. Hein, à veiller, à veiller. Il doit trouver un temps pour dormir. Le sommeil, c'est quelque chose qui est déjà très, très important. Vous voyez? Et là, vous allez voir que on va rentrer, ou bien on va dire, les gens vont se mettre à veiller pendant les 10 dernières nuits, n'est-ce pas, de Ramadan. Il y en a qui vont se mettre à veiller, par exemple, toute la nuit, ok? Et dans la journée, ils seront vraiment fatigués, toute la journée, ils seront fatigués et ils ne vont pas profiter de cette journée-là, hein, pour faire l'istighfar, par exemple, faire des doigts, hein, ou bien lire le Coran ou autre. Donc, déjà, il est bien de, comment je peux dire ça, d'arranger en fait son temps, un temps pour dormir, un temps pour, voilà, étudier, un temps pour faire ceci, un temps pour ceci ou cela. Alors, parler maintenant du meilleur moment, il n'y a pas de doute déjà hein, que le sommeil de la nuit, vraiment, il est très bénéfique. Il est très très bénéfique. Si vous passez toute une nuit ou bien des nuits entières, vous ne dormez pas, vous dormez seulement la journée, vous n'allez pas vraiment, comment je peux dire ça, récupérer ou bien avoir ce que vous êtes censé avoir lorsque vous dormez la nuit en fait. Donc la nuit, à la base, c'est pour dormir. La nuit est faite pour dormir en fait, à la base. La personne doit dormir dans la nuit, c'est pourquoi même pendant les 10 dernières nuits ici, moi je conseille aux frères de ne pas veiller toute la nuit en fait. C'est pas que c'est interdit, quelqu'un peut veiller toute une nuit s'il y a, comment on appelle, un besoin dans ça. Mais si la personne a le choix, le mieux c'est de dormir quand même un peu la nuit, même 2 heures de temps.
une heure, deux heures de temps. Maintenant, si la personne si la personne dort la nuit, alors dans la journée, la personne peut se reposer après le zuhur. Vous voyez, elle se repose après le zuhur et puis elle va se réveiller pour faire la prière de Asr. Et puis voilà, donc dans la nuit elle dort et donc quelques heures, et aussi dans la journée après la prière de zuhur. Ça peut être bénéfique pour la personne. Naam. Naam, jazakallah khair. Donc, mais justement par rapport à cette question, pour simplifier, est-ce que dans la sunna il y a un moment spécifique dans la journée où il est recommandé de faire la sieste, ou il n'y a pas vraiment de nosos de texte par rapport à ça? Bon, ce qui est connu quand même du prophète, qui est rapporté dans certains textes, dans le Bukhari, je crois dans le Bukhari, hadith de Aïcha et bien d'autres aussi, certains compagnons ont rapporté cela. Le prophète dormait souvent, comment on peut dire ça? Donc après Aïcha, au début, donc il dormait. Ensuite, il se levait vers la fin de la nuit pour prier. Puis il retournait dormir jusqu'à ce qu'on fasse, n'est-ce pas, l'adhan de Fajr. Donc ça c'est connu, et c'est connu aussi que les compagnons se reposaient dans la journée aussi. Ça aussi ça a été rapporté aux environs de, on va dire, si je ne me trompe pas, c'était après le zuhur. Après le zuhur. Et donc dire qu'une sunna, dire que voilà ça c'est une sunna, ça vraiment ça nécessite en fait des preuves, parce que comme je l'avais dit, je crois dans un audio, j'expliquais aux frères que dire que quelque chose est sunna, bon, parce que sunna aussi, ça peut avoir un sens plus vaste. Hein, on peut vouloir par sunna juste ce qui est rapporté du prophète. Mais souvent, quand on parle de sunna, chez les fuqaha, ils visent ce qui est mustahab, c'est-à-dire que si tu fais ça, tu as des récompenses. Donc, si on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait quelque chose, ça n'implique pas forcément que cette chose devient une sunna, dans le sens où si on fait ça, on a des récompenses, n'est-ce pas, parce qu'on a fait cet acte-là. Donc, est-ce qu'on peut dire que voilà, comme le prophète a dormi à tel moment, donc ça veut maintenant dire que c'est une sunna, dans le sens où si tu fais ça, tu as des récompenses? Ça vraiment, c'est discutable. Naam. Tayyab, jazakallah khair. Une autre question ici, une personne nous demande, est-ce qu'il est permis de travailler pendant les fêtes des deux Aïd? Je ne connais pas une preuve qui interdit à un musulman de travailler pendant le Aïd. Hein. Je ne connais pas une preuve qui interdit cela. Donc, la base dans les choses de Dunya et tout ça, c'est la permission. Donc, celui qui vient dire que pendant le Aïd, il est interdit de travailler, il doit ramener la preuve. Naam. Zakallah khair. Ici, une personne nous dit, salam alaikum, est-ce que il est possible, Yannick, que la nuit du destin soit déjà passée si il nous est parvenu que certains ont vu les signes de cette nuit du destin? Oui, bien sûr. Si la personne, ou bien si on a vu des signes, hein, parce que la nuit du destin, certains signes qui sont bien, il y a des signes qui ont été mentionnés dans des hadiths. Donc si on voit ces signes-là, n'est-ce pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le zahir, ce qui est apparent, c'est que c'était ça, n'est-ce pas, la nuit du, c'était ce qui est passé, donc la nuit du destin, vous voyez. Et puis on ne doit pas aussi venir interdire de dire, par exemple, que voilà, on ne doit pas dire que voilà, bon, par rapport aux signes qu'on a pu voir, bon, on peut dire que c'était aujourd'hui par exemple la nuit du destin, ou bien c'était hier ou ceci ou tel jour. On ne doit pas dire que, bon, on ne doit pas interdire ça. Parce qu'il y a des compagnons, Ubay ibn Ka'b par exemple, ça a été rapporté de lui qu'il a juré que c'était le 27. Vous voyez. Donc, venir ici dire aux gens que non, il faut pas dire. Parce que si tu dis ça, hein, parce que si tu viens, tu dis, les gens peut-être ne vont plus prier. Non. Il y a des compagnons. Le compagnon ici, il a dit que c'était le 27. Vous voyez. Et on nous a demandé, n'est-ce pas, ou bien le prophète nous a montré certains signes. Quel est le but alors? Pourquoi il nous montre ces signes-là? Donc, il n'y a pas de mal. Ok? Il n'y a pas de mal. Mais après, quelqu'un peut se tromper aussi. Il ne faut pas que la personne prenne ça comme quelque chose qui est, je peux dire,
qat'i, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de... Voilà, on ne peut pas, comment on appelle, contredire cela, non. Quelqu'un peut se tromper, quelqu'un peut croire que voilà, ça c'est des signes. En réalité, ce n'est pas ça. Vous voyez. Donc, il n'y a pas de mal. Si la personne a bien étudié la question, la personne a vu des signes, elle peut dire, moi, j'ai vu les signes et tout ça. Et par rapport à ça, je pense que la nuit des saints, c'était tel jour. Il n'y a aucun ishkal dans ça. Et ça n'empêche pas aussi de continuer à adorer Allah parce que l'adoration ne s'arrête pas la nuit des saints. Donc oui, tu as vu que la nuit des saints, c'était tel jour, mais ça ne veut pas dire que tu dois arrêter maintenant les adorations, bien arrêter la prière de nuit. Vous voyez, ça n'a pas été rapporté que si on a vu la nuit des saints, maintenant on arrête les adorations. Non, on continue toujours à adorer Allah. De toute façon, on a des récompenses. Donc voilà. Naam. Jazakallah khair. Barakallah fik. Ici, une personne nous pose la question. Est-ce que la femme indisposée peut se rendre au tarawih pour profiter de la récitation de l'imam? Bon, déjà, je crois que la... Comment on appelle? Je ne sais pas si c'est la première séance. J'avais répondu à la question de... Est-ce que déjà la femme en menstrue peut lire le Coran? Ou est-ce qu'elle peut toucher le Coran? J'avais expliqué qu'il y a une grande divergence entre les savants par rapport à cela. Et que l'avis qui est juste, c'est que la femme en menstrue peut lire le Coran. Elle peut toucher le Coran. Et je crois que j'avais cité même le hadith de Kevin le Sahih Muslim, où le prophète avait dit à Aïcha de prendre, n'est-ce pas, un tapis dans la mosquée. Il lui a dit, « Inna haydataki, laysat fi yadiki », que tes menstrues ne sont pas sur tes mains. Donc, le zahir, c'est qu'on n'a pas un texte en fait qui vient, un texte authentique qui vient montrer que la femme en menstrue ne peut pas toucher, n'est-ce pas, le Coran. Donc, la femme en menstrue peut lire le Coran, elle peut toucher le Coran. Donc, si la femme peut lire et toucher le Coran, il n'y a pas d'ishkal. Pourquoi ne pas elle-même lire? Elle est chez elle, elle prend le Coran, elle lit, n'est-ce pas? Elle n'a pas nécessairement besoin d'aller à la mosquée pour dire que non, je vais aller écouter la lecture de l'imam. Et je ne connais pas de preuves dans les textes qui sont venus justifiant que au temps du prophète par exemple, voilà, des femmes allaient à la mosquée pour écouter, n'est-ce pas, la lecture du Coran de l'imam. Donc ce que je peux conseiller à cette sœur, c'est d'elle-même de lire le Coran à la maison, de voilà, elle peut lire, elle médite, etc. Il n'y a aucun ishkal. Naam. Ici, un frère nous pose la question, salam alaikum, si on a prié les 11 rak'ah et le 8 avec l'imam, est-ce qu'on peut reprier chez nous le dernier tiers? Reprends la question, s'il te plaît. Donc, si on a prié les 11 rak'ah avec l'imam Jaïd. Et le 8 yani, oui. Est-ce qu'on donc, ça veut dire que la personne... Je comprends que la personne a fait 13 rak'ah, 11 avec le 8, ou bien 10 avec le 8. Ouais, c'est ça, je pense plus que c'est 10 avec le 8. Ok. Yannis, ce qu'il faut comprendre la question, c'est qu'ici, le frère, il dit, j'ai pris avec l'imam. Non. Yannis, toutes les rak'as, fait le masjid. Est-ce que quand je rentre à la maison, est-ce que je peux encore prier d'autres rak'as? Bon, cette question, en fait, on va dire que, il y a plusieurs masaïl ici. Mais déjà, la prière après le 8, la prière après le witr, il n'y a aucun ishkal. Il n'est pas du tout interdit de prier après le witr. Il est permis de prier après le witr. Ça a été rapporté de façon authentique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié après le witr. Par contre, ce qui est réprouvé, n'est-ce pas, c'est le fait de faire deux witr dans la même nuit. Parce que c'est venu dans le hadith de Talq ibn Ali, je crois, ça a été rapporté par l'imam Tirmizi, l'imam Nasa'i, Abu Daoud et bien d'autres, le Cheikh Al-Albani a authentifié cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la witron fil layl, la witron fil layl, il a dit, il n'y a pas deux witr dans une même nuit. Donc si tu as déjà fait le witr, tu ne peux plus faire encore le witr. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Voilà, maintenant la question de le witr que tu as prié avec l'imam. Voilà, si tu as prié déjà le witr avec l'imam, si tu rentres chez toi et que tu veux encore prier, tu n'as plus à prier le witr. Pourquoi? Parce que le prophète a dit il n'y a pas de witr dans la même nuit. Donc ici, là, ce que tu peux faire, c'est quoi? C'est des prières surrogatoires. Tu vas faire le chafin. On va dire tu vas faire des prières
sur le gâteau, mais tu ne dois plus faire le witr. Maintenant, une question, comment on appelle, qui est rattachée aussi à ça, c'est la question, ça y est, le fait de prier plus de 11 rakas. Le fait de prier plus de 11 rakas pendant les prières de nuit, là. Alors, on sait tous, hein, ce que, comment je peux dire ça, les débats que cette question, comment dirais-je, suscite. Je peux dire chaque année, hein, les gens font toujours des débats par rapport à ça. Il ne faut pas ajouter 11 et on va prier dans la mosquée, l'imam prie plus de 11, etc. Alors, dans les cours sur les prières surrogatoires, j'ai fait quand même un détail par rapport à cette question. Tout d'abord, il faut comprendre que quand on regarde, hein, nos savants, on ne trouve pas un savant qui a, qui a dit qu'on ne doit pas ajouter à 11 rakat. Alors, on ne doit pas ajouter des rakat. Donc, la limite, c'est 11. Après 11, on ne peut plus ajouter. On ne trouve pas un savant parmi les anciens savants, n'est-ce pas? On ne trouve pas un savant qui a dit ça. Et Ibn Abdelbar mentionne même un consensus. Il mentionne même un consensus. Vous voyez? Bon, il y a certains qui disent que c'est rapporté de l'imam Malik, hein, mais que c'est quelqu'un qui est majhoul qui rapporte ça de l'imam Malik. Où on peut comprendre qu'il ne faut pas ajouter. Et je crois une parole aussi d'Ibn al-Arabi, si je ne me trompe pas. On dit qu'il y a une parole comme ça où on peut comprendre qu'il voit qu'il ne faut pas ajouter, mais que ce n'est pas clair en fait, ou que voilà, la suite de ses propos montre le contraire. Dans tous les cas, Ibn Abdelbar mentionne un consensus qu'il est permis d'ajouter. Il est permis d'ajouter, et je crois que j'avais mentionné ça dans mes cours lorsque j'ai parlé de cette question. Mais c'est clair que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié plus de 11 rakats, que ce soit dans le Ramadan ou en dehors du Ramadan. Comme Aïcha a dit, comme c'est venu dans le Sahih, n'est-ce pas, elle a dit « Ma kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yazid fi Ramadan, wala fi ghayrihi ala 11 rakats. » Elle dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas du tout ajouté, que ce soit dans le Ramadan ou en dehors du Ramadan, il n'a pas ajouté sur 11 rakats. Maintenant, à certaines versions, on dit que le prophète a prié 13. En réalité, les 13 là, c'est deux, n'est-ce pas, deux rakat surrogatoires de la prière. Après la prière de Isha, vous savez qu'il y a des prières, n'est-ce pas, on fait deux rakat. Ce sont les deux là, ajoutés aux 11, qui ont été, n'est-ce pas, comptabilisés comme étant 13. Donc, le prophète n'a pas ajouté. C'est pourquoi même, comment je peux dire ça, il n'a pas ajouté sur 11 rakat. C'est pourquoi même les savants, hein, beaucoup de savants, je ne veux pas dire tout, mais beaucoup de savants qui voient qu'on peut ajouter, ils te disent que c'est mieux de te limiter à 11 rakats. Moi, je pose une question. Si les gens s'arrêtent à 11 rakats, ils auront un péché, ils n'auront pas un péché. Alors, pourquoi les gens parfois se mettent dans des situations où, c'est-à-dire que ça crée des polémiques où, en fait, c'est pas nécessaire. On n'a pas vraiment besoin de ça. Le prophète a prié 11 rakats. Si nous tous, on décide de prier 11 rakats là, on aura un problème, on n'aura pas de problème. Les imams peuvent décider de prier 11 rakat. Vous voyez, au lieu de faire en sorte qu'on prie dans la mosquée, des gens vont arrêter, ils vont dire non, moi je ne peux pas dépasser, donc je m'en vais chez moi pour ceci, cela, je veux continuer chez moi. Vous voyez. Donc, ça c'est un point qui est important. Donc, celui qui a prié déjà le witr avec l'imam, si l'imam a... comment on appelle, il a fait moins de 11 rakat, parce que ça aussi, les gens ne savent pas, mais on peut, n'est-ce pas, prier moins de 11 rakat. On peut prier 7 rakat. On peut prier 5 rakat. Vous voyez. Et comme je disais, lorsque j'étais au Gabon, lorsque je dirigeais, n'est-ce pas, les prières de Tarawih, je disais que il faut parfois aussi que les imams, comment je peux dire ça, faut qu'ils changent aussi, pour que les gens sachent aussi que ça, c'est venu aussi dans les textes. Ce n'est pas seulement chaque fois, il faut seulement faire le même nombre là, le même nombre là, au point où celui qui va venir faire le contraire, on va dire non, ce que tu as fait, c'est pas la sunna, et on va voir que c'est lui qui est en train d'apporter une nouvelle religion, bien il apporte quelque chose de nouveau, alors que c'est pas quelque chose de nouveau, c'est dans les textes, vous voyez. Donc, il faut parfois aussi varier, on fait ce qui est venu dans la sunna pour que les gens puissent connaître que voilà, ça aussi c'est dans la sunna, et puis les gens appliquent cela. Donc, si la personne a prié avec l'imam, 11 rakat, déjà, moi, ce que je conseille à cette personne, c'est de se limiter à cela. Mais si la personne a prié avec l'imam moins de 11 rakat, ok,
moins de 11 rakat, il n'y a pas d'ishkal, elle peut encore faire d'autres rakat jusqu'à arriver à 11. Vous voyez, je dis bien ce qui est mieux, hein, ce qui est mieux, parce que moi, jusqu'à présent, j'ai du mal, n'est-ce pas, à dire que le fait d'ajouter, hein, prier plus de 11 rakat, c'est une bida. Parce qu'il y en a qui disent non, c'est une bida même. Le Cheikh Al-Albani, il était vraiment dur sur cette question-là. J'ai du mal à donner cette position, mais cet avis. Pourquoi? Parce que il y a un ijma qui a été mentionné d'Ibn Abdul Barr. Je n'ai pas encore vu ceux qui contredisent cela. Donc, dire comme ça que voilà, c'est une bida à l'ajouter, j'ai du mal. Mais le mieux quand même, c'est de se limiter à 11. La personne se limite à 11 et la personne sort de tous ces problèmes-là. Donc, si l'imam a prié 11 rakat, tu as prié 11 rakat avec l'imam, on a dit la witron fi layla, donc ne fais plus de witr. Et le mieux pour toi, c'est que tu te limites à ça. Si l'imam a prié moins de 11 rakat, ok, et qu'il a fait le witr, ici ne fais plus de witr, mais tu peux faire le shafa. Par exemple, l'imam a prié, je ne sais pas moi, 7 rakat, tu peux ajouter jusqu'à arriver à. Comment on appelle, à 11 mai, plus de 8 heures. Plus de 8 heures. Naam, j'espère que j'ai répondu à la question de la personne. Naam. Jazakallah, frère, c'est très clair. Ici, une question. Est-ce permis ou est-ce considéré comme une bid'a le fait de lever les mains durant les du'as de qunut, yani les du'as que l'imam fait à la fin de salat tarawih? J'ai partagé aujourd'hui une kalima de Cheikh Al-Husaymi Hafidhullah où il dit yani, qu'il faut lever les mains, il donne un descriptif. Et certaines personnes m'ont réprimandé en me disant il ne faut pas partager ça parce que Cheikh Mourbil dit que c'est une bida. Donc, si tu peux nous donner un petit parcours sur cette question, Jazakallah. Bon, le fait de lever les mains lors du Qunut, tout d'abord il faut comprendre que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Et c'est ce que j'ai dit souvent aux frères. Lever les mains lorsque l'imam fait le kunut, ce n'est pas une obligation. On n'a pas un dalil qui justifie que c'est une obligation. Donc si tu ne fais pas ça, tu as le péché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un prie derrière un imam qui fait le kunut et qu'il ne lève pas ses mains, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'ishkal, est-ce qu'on peut lever les mains? Alors ça, c'est un débat entre les gens de science dans le doa du kunut, parce que le kunut, on a deux types de kunut en fait. On a le kunut nawazil et puis on a le kunut witr. Dans le kunut nawazil, c'est confirmé, on lève les mains. Ça, c'est venu, c'est prouvé. Maintenant, l'ishkal. Dans le kunut witr, est-ce qu'on peut lever aussi les mains? Alors, il y a une divergence entre les gens de science par rapport à cela. Des recherches que j'ai pu faire, je n'ai pas trouvé un seul texte authentique où on nous dit, où on nous recommande de lever les mains. Par contre, il y a un athar qui est rapporté, je crois c'est d'Ibn Mas'ud, où il a levé les mains pendant le Qunut, et puis il a baissé ses mains. Alors, si quelqu'un travaille avec ce athar-là, il dit bon, voilà un compagnon qui a fait ça, et le Zahir, c'est un compagnon qui était avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc, je vois qu'il a fait cela. Moi, je me base sur ça et j'applique ça. Vraiment, je ne vais pas venir le réprimander pour cela. Maintenant, si quelqu'un aussi dit, bon, moi, je trouve qu'il n'y a pas de texte par rapport à ça, même si c'est rapporté d'un compagnon, parce que il faut aussi que les gens comprennent, ça c'est un point aussi qui est important. Hein. Le compagnon peut parfois faire, n'est-ce pas, un acte par ijtihad. Ça aussi, il faut que les gens comprennent ça, par ijtihad. Ijtihad, ça peut être que voilà, il s'est basé sur un texte général, ou bien il a compris que tel texte montre qu'on peut faire ceci, cela. Ça ne veut pas forcément dire que le prophète a dit de faire, ou bien le prophète a fait devant lui, non. Et ça, c'est connu. C'est pourquoi même, il y a eu beaucoup de sujets dans lesquels, où il y a des sujets dans lesquels les compagnons ont divergé sur des points. Et dans ces questions-là, voilà, s'ils avaient compris que dès que le compagnon dit ou fait quelque chose, automatiquement il faut suivre ça, ils n'allaient pas diverger. Lorsque Ibn Abbas a divergé avec Zayd concernant l'héritage de la mère, hein, dans une question, il lui avait demandé, est-ce que tu as vu que
Bon, c'est une question qui est traitée dans les livres lorsqu'on parle d'héritage. Et dans cette question, on demande est-ce que la femme, est-ce que, pardon, la mère aura le tiers, n'est-ce pas, de ce qui reste ou le tiers des biens. Et lui, il a demandé à Zayd, est-ce que tu as trouvé ça dans le Coran? Oui. Donc, c'est pour dire que le compagnon peut faire une chose par ijtihad. Il y a des questions parfois, quand on regarde ces questions, on dit, il peut faire ça par ijtihad. C'est-à-dire que voilà, il a compris d'un texte. Hein, ou bien, il a vu un texte et pour lui, il a vu que ça prouve ceci ou cela. Bref. Donc, c'est pourquoi même les savants ont divergé. Est-ce que la parole ou l'acte d'un compagnon est un dalil ou pas? Voilà, il y a tout un débat aussi par rapport à cette question. Mais bref, si quelqu'un voit que voilà, un compagnon a fait tel acte, bon, moi je suis ce compagnon-là dans ça, ok? Il se base sur ça, il n'y a pas d'ishkal. S'il le dit, bon, moi je vois que dans la masse, il n'y a pas un dalil, il n'y a pas un dalil que le prophète a dit ou bien dans le Coran, et le athar là, ça peut être un ijtihad, c'est pas une question, on va dire que voilà, le compagnon parle par exemple du paradis, il y aura ceci au paradis, on va dire non, le compagnon ne peut pas dire qu'il y aura ceci au paradis comme ça de lui-même. Donc, c'est une question, par exemple, il voit que c'est une question, l'ijtihad rentre dans ça, il dit bon, à cause de ça, moi, je ne suis pas apaisé, donc je ne pratique pas ça. Il n'y a pas d'ishkal aussi. Donc, voilà un peu ce que je peux dire en résumé par rapport à cette question. Celui qui délaisse, qui ne lève pas ses mains, ce n'est pas obligatoire, donc il n'y a pas d'ishkal. Celui qui lève aussi en se basant sur le athar d'Ibn Mas'oud, moi, je ne vais pas le blâmer pour cela. Quant à moi-même, quand je prie derrière un imam qui fait le qunut, moi, personnellement, je ne lève pas. Parce que jusqu'alors, je n'ai pas trouvé un texte, n'est-ce pas, qui vient montrer vraiment, vraiment clairement qu'il faut, il faut le faire. Naam. Allahu a'lam. Ici, un frère qui nous pose la question, il nous dit, peut-on donner la zakat al-mal à une personne nécessiteuse ou à laquelle cette personne fume et ou boit de l'alcool? Dans ce genre de cas, peut-on quand même donner la zakat à cette personne, sinon on doit donner à une autre personne. Bon, je crois que la question là est déjà, si je ne me trompe pas, elle est passée. Ouais, elle est en rapport avec la réponse de la première question. Voilà. Donc, de toute façon, si la personne voit une personne qui est pieuse, ok, il n'y a pas de, et qui est dans le besoin, il n'y a pas de doute que la personne donne à cette personne. Mais si elle arrive à donner quand même à quelqu'un qui est par exemple pervers, du moins, il est musulman. On ne va pas dire que ça, Zakat al-Fitr, n'est pas valide. Non. Non, Bon, je pense qu'on va prendre une dernière question. Non, moi, je regarde une question, Inch'Allah. Bon, il y a des questions par rapport aux voyageurs, mais ça va forcément découler sur la question de à partir de quand et pendant combien de moments on est considéré comme voyageur. Donc, peut-être qu'on va apprendre cette question vu toute la divergence derrière cela. Ça y est, ici, on prend une question. Une sœur nous dit Salam alaikum. Est-il permis de faire la prière de tahajjoud? Jazakallah khair. Bon, vraiment, la question de. Bon, les gens qui font cette différente prière, Tarawih, Tahajjud, en réalité, ce qui est demandé, c'est de prier, la prière de nuit. Ok? Maintenant, il y en a qui font la différence entre Tarawih et Tahajjud en disant que voilà, Tarawih, c'est après la prière de Aïcha, et puis Tahajjud, bon, c'est ce qu'on prie après tout ça. Et il y en a qui font des polémiques. Est-ce que, voilà, si on a déjà prié la prière de Tarawih, est-ce qu'on peut encore prier le tahajjud et tout? Celui qui prie, ok, qui décide de faire la prière de nuit. La prière de nuit, on peut l'accomplir, ok, soit tôt, soit on retarde. Alors, si quelqu'un décide de retarder, ok, sans d'abord même regarder l'histoire des appellations, tahajjud ou bien tarawih, quelqu'un veut faire le qiyam al-layl, ok, la personne décide de retarder ça et de prier ça tard. Il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a aucun problème ici. Et je crois que j'avais cité la parole de Omar, n'est-ce pas, la fois passée, où il avait dit « Waleti yanamuna anha afdol ». Vous voyez. Donc, celle qu'ils accomplissent au moment où ils dorment est meilleure. Donc, si la personne décide de
retardé de prier dans la nuit, il n'y a aucun ishkal dans cela. L'ishkal se situe maintenant au niveau de comment on appelle, la division que les gens font. Parce que c'est lorsqu'on arrive, n'est-ce pas, à les 10 dernières nuits, que les gens font cette division-là. Vous voyez, ils vont prier la prière de Tarawih, et puis ils vont encore prier une autre prière qu'ils appellent Tahajjud, donc un peu tard. Le problème, en fait, avec ça, c'est la restriction, en fait. C'est-à-dire, le fait de restreindre ça, cette division-là, le fait de restreindre ça aux 10 dernières nuits, ça, c'est un ishkal. Parce que, quand on regarde les textes, moi, en tout cas, je n'ai pas vu un dalil où il y a cette restriction-là. C'est-à-dire que quand c'est les 10 dernières nuits, on divise comme ça en deux. Mais sinon, le simple fait de prier, puis de se reposer, et puis de prier encore, ça, il n'y a pas d'ishkal dans ça. Ça a été rapporté même d'un compagnon du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'avais cité dans un de mes cours. C'est-à-dire, quelqu'un prie d'abord, après il arrête, et puis il continue après. Ça, c'est pas quelque chose qui est, c'est pas un ishkal. Oui. Parce que c'est un genre de science qui on dit, plus que c'est permis de prier, puis d'arrêter d'abord, et puis de continuer après, ils ont dit donc, où est l'ishkal ici? Les gens sont allés prier, ok, tarawih, ils ont prié, ensuite ils ont arrêté, des gens vont faire leurs besoins, etc., peut-être des gens vont manger, après ils continuent. Ils disent, il n'y a pas d'ishkal, parce que il est permis de faire la prière de nuit, tu t'arrêtes. Quelqu'un, par exemple, il peut prier, par exemple, je ne sais pas moi, 4 rakat. Ensuite, il s'arrête. Il décide, par exemple, de manger d'abord. Ou bien, je ne sais pas, il va se reposer. Après, il se lève encore, il continue. Ça, il n'y a pas d'ishkal dans ça. Donc, ils ont dit, c'est comme ça ici. La personne va prier, n'est-ce pas, pendant le tarawih, donc après Isha avec l'imam. Ensuite, les gens se séparent. Les gens vont faire ce qu'ils veulent faire, soit manger ou dormir, etc. Et puis, ils reviennent encore prier. Ils disent, il n'y a pas d'ishkal ici. Mais moi, l'ishkal que j'ai trouvé dans cette mas'ala, c'est la restriction-là. C'est le fait de restreindre cette division-là, restreindre ça aux 10 dernières nuits. Vraiment, je ne connais pas un texte, n'est-ce pas, qui justifie cela. Donc vraiment, moi, ce que je peux conseiller aux gens, c'est soit de prier tôt, soit de retarder la prière. Si les gens ont prié tôt, ok, khalas. Si les gens décident aussi de prier tard, khalas aussi, ils décident de prier tard. Tout ceci, il n'y a pas d'ishkal. Mais le fait de restreindre le taksim, la division là, comment on appelle ça, pendant les 10 dernières nuits, vraiment, je ne connais pas de preuve par rapport à cela. Si des savants mentionnent un consensus, s'il y a un consensus sur la permission de cela, nous suivons ce consensus-là. Mais s'il n'y a pas du tout un consensus, il faut donc une preuve qui justifie ce genre d'acte. Donc voilà ce que je peux dire en résumé par rapport à cela. Non. Donc on va s'arrêter. On s'arrête ici. Et on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Et voilà. Wa subhanaka allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Tu as quelque chose à dire? Non, te remercie tout simplement, Barakallah Fik, pour ta présence. Excuse-nous d'avoir commencé plus tard que d'habitude. Aucun pour problème. Ceux qui ne savent pas, chez le frère Mohamed, c'est une heure en plus, donc il est très tard chez lui. Non. Allah te récompense et te compte parmi nos ulama.